Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de notre rubrique Turf FR, un jour, un pari. Ce vendredi 4 mars, direction la Mayenne. Nous sommes partis en réunion 5 sur l'hippodrome de Laval en semi-nocturne dans la deuxième course du programme qui se déroulera aux alentours de 16h50. Notre pari du jour, ce sera un jeu simple, il s'agit du numéro 17 Holding Girl. Cette jument entraînée par Yves Dreux revient bien, elle est passée un petit peu à côté de son hiver. Maintenant, sa dernière fin de course était vraiment très séduisante, elle avait perdu du temps au départ, elle s'était montrée un petit peu fautive. Maintenant, elle a bien terminé, elle sera une nouvelle fois déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs. Elle est confiée à Eric Raffin, le Sulky d'Or, qui l'a menée au succès lors de leur dernière association l'année dernière, à même époque, donc vraiment la forme saisonnière. Voilà, le lot est moins relevé que la dernière fois. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est la plus riche au départ, hein. Elle est à 380 euros du plafond des gains, elle rend 25 mètres. Maintenant, cela ne m'inquiète pas, elle va pouvoir prendre son temps au départ, puisqu'elles ne sont que 3 au deuxième poteau. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'atouts dans son jeu. Pour moi, j'en attends vraiment une grande performance. Donc, le 217 Holding Girl en réunion 5 à Laval, ce sera le jeu simple du jour. Comment la jouer? Moi, je vous conseille de mettre 2 euros gagnants et 4 euros placés. Nous essayons de faire monter notre cagnotte. On joue progressivement, on est encore au début du mois. Donc, voilà pour le pari que je vous conseille ce vendredi 4 mars. En attendant, je vous souhaite bon jeu à tous et je vous donne rendez-vous demain pour notre rubrique Un jour, un pari.